Le mystère de la nouvelle saison de Pékin Express est enfin dévoilé. Stéphane Rothenberg a révélé le parcours de la 18e saison du jeu d'aventure sur Instagram. Lancé en 2006 sur M6, Pékin Express est une des rares émissions de télévision à connaître une seconde vie réussie. Après un arrêt en 2014, la chaîne décide de relancer son jeu d'aventure en 2018. Il avait fait rêver nombre de téléspectateurs qui s'imaginaient, sac à dos rouge sur les épaules, parcourir les routes du monde en embarquant dans leurs rêves, les automobilistes de passage. Pour permettre à ces baroudeurs de voir leurs souhaits devenir réalité, M6 envoie à nouveau Stéphane Rothenberg aux quatre coins du monde en 2018. Un retour compliqué par des tensions dans certains pays traversés et la pandémie de Covid-19. Malgré tout, l'enthousiasme accompagne toujours les participants et l'animateur historique du jeu. Ce dernier a fait une petite pause dans les tournages pour donner de nombreux détails sur la nouvelle saison qui se joue actuellement quelque part sur la planète. Pékin Express, Stéphane Rothenberg annonce une grande première dans le jeu de M6. Si est-il Stéphane Rothenberg essoufflé qui s'exprime face à son téléphone sur Instagram. Dans un court message posté ce lundi 11 septembre, il dévoile dans un premier temps, le nom de cette 18e édition de Pékin Express, sur les traces du Tigre d'Or. Un nom aussi intrigant que mystérieux. Cette quête lancera les candidats sur les routes de trois pays, l'Indonésie d'abord. Si est-il à Bali que les équipiers débuteront cette saison. Ils passeront ensuite par l'île de Java où se situe le lac Kawaijen, le plus grand lac d'acide au monde, là même où Stéphane Rothenberg enregistre ce message. Puis, cap sur la Malaisie, une grande première, car l'émission n'a jamais traversé ce pays comme l'annonce le présentateur. Ensuite, la dernière partie du parcours se déroulera sur les routes du Vietnam pour une grande finale à Hanoï. Les fans de l'émission vont devoir attendre courant 2024 pour suivre cette nouvelle course folle à travers les routes asiatiques. Retour en Asie pour la prochaine saison de Pékin Express présentée par Stéphane Rothenberg. Changement de paysage pour cette 18e édition de Pékin Express. En 2023, c'est en Amérique du Sud que les binômes avaient bataillé pour la victoire. À ce petit jeu, c'est l'étonnant tandem Xavier et Céline qui avaient bravé les stratégies et remporté cette édition face à Alexandre et Chirine. Qui leur succédera? Réponse dans quelques mois sur M6.